Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse du jour sur agenews.info. La presse sénégalaise raconte la réunion houleuse de l'Alliance des forces de progrès. Rencontre houleuse de l'AFP, insultes et coups de poing au menu, titre Walfadjiri. Ce journal informe que Niass a été exfiltré par le gouvernement d'intervention de la gendarmerie nationale. Rififi à l'AFP note le quotidien à sa une, soulignant que cette tension est due à la non-candidature déclarée de Niass à la présidentielle de 2017. Aucun imbécile ne peut détruire mon compagnon avec Macky Sall, dit le secrétaire général de l'AFP dans le quotidien qui donne le parole à Gakou, soutenant que l'AFP n'est pas avant. Aucun imbécile ou salopard ne me mettra à mal avec Macky, dit-il à la une de la tribune, qui indique que Niass s'était énervé après avoir été hué par les jeunes de son parti. Pour le terme hué par les jeunes, Niass disjoncte, aucun imbécile ne peut détruire l'AFP. De son côté, Las met en exergue les insultes de Niass qui précise « Je n'apporte au candidat de l'AFP ni ma caution, ni mon appui financier, ni ma bénédiction. » Toutes choses qui font dire au journal enquête que Niass perd le nord. Niass perd les plumes et injurie ses détracteurs. Lit-on à la une du populaire. Pour l'observateur, Niass est rattrapé par sa cynique méthode. Cette quotidienne s'est focalisée sur la CAN avec le match Sénégal Afrique du Sud aujourd'hui et titre vaincre pour se mettre à l'abri, marquer son territoire. Les lions près du cœur, écrit l'Obs, tirant l'attention sur le piège de la suffisance. Pour le populaire, les lions sont aux portes des quarts de finale, les quarts en ligne de mire, titre stade. C'était tout pour votre revue de presse du jour. Merci et bonne lecture.